Allez, 1er mai 2022, on se retrouve à Chambeau pour une petite balade sur la rivière d'Ain. Alors, ça se sent pas à l'image, mais nous, on a une bonne odeur de fleurs. Oui, je vois le héron, tout en haut. Il vient nous passer dessus. Ah, il y a une belle verdure. Un beau ciel bleu. Alors, j'espère qu'on verra des poissons aujourd'hui. Ça, c'est toujours le mystère. Tiens, un canard qui s'envole. Bon, on verra bien des poissons, j'espère. L'eau est relativement claire. Hein. Yeah. Ouais. Ah, j'adore cette nature sauvage. Regarde la hauteur de la roche ici. Ben j'espère. Alors voilà, on a retrouvé la verdure de la deuxième partie du printemps. Il y a même de la fougère qui pousse sur cet arbre. Ah, ils sont cachés, mais on vous a vu. Ils sont bêtes. Voilà, sur quatre, il y en a deux qui ont décollé le port. On les embête alors que c'est pas du tout le cas. C'est beau de passer ces branches. Il y a des poissons là-dedans, non, on n'en voit pas hein, encore. Le pont de Serrières-sur-Ain. Le sous-bois est magnifique. Là, c'est le fameux rocher avec les fleurs toutes rouges. Et là, on arrive sous le pont de Serrières. Et on entend la cascade au loin. Notre beau pont de Serrières-sur-Ain. Est-ce qu'il y a du poisson là, non? Cette fois. Avec la cascade. Elle est toujours si belle. Enfin, pas de poisson, hein. Ça brunit.
ce pont est toujours aussi majestueux. Alors on a tantôt le vent arrière, tantôt le vent de face. Alors regardez, il y a même un arbre qui pousse dans l'eau. Et là, il n'y a pas de doute, nous sommes bien au printemps. Il y a un petit oiseau sur l'arbre. Alors toujours ici un endroit charmant que l'on adore. C'est toujours bien entretenu. Ah, il y a une bonne odeur, ça sent la vache. Ouais, ils ont bien retapé. Écoutez les oiseaux. C'est à Milan ça, non? Je sais pas. Alors là-bas, normalement il y a une barque qui a dû émerger vu que le niveau d'eau est bas. On doit la voir. On la verra au retour, je pense. On est bercé par les chants des oiseaux. Et il y a un Milan dans le ciel. Alors voyez, ce qu'on voit en face de nous, ce sont les cities. Des arbres magnifiques. Tiens, on va passer à côté. Oh, qu'est-ce que c'est beau ces arbres. Regardez qu'on en bouture un. Regardez comme c'est beau. Dans quelques temps, ça va être tout jaune. Qu'est-ce que c'est beau. Les cities, eh oui, il y en a. Hein. Une petite crique bien sympathique. Ah, regardez ce ciel bleu, cette montagne bien verdoyante. Alors là, un endroit qu'on adore. C'est très joli, le long de la rivière. C'est toujours bien entretenu, enfin pour nous c'est ce que nous trouvons.
jolies fleurs, les jolis parcs en bordure d'eau comme ça, c'est génial. Il n'y a pas à dire, c'est beau le printemps. Là, on va de nouveau arriver dans une petite crique bien sympathique où on avait vu un brochet une fois. Là, il commence à y avoir un petit peu de tourisme sur la rivière. Regardez cette verdure. C'est somptueux. Puis l'eau est claire. Hein. À une attaque de moussillon. Ah si, la petite crique, elle est toujours bien là. On va pouvoir accéder malgré qu'il manque 50 cm d'eau. Ah, c'est un endroit sympathique là. Regardez la clarté de l'eau. Et au fond, la petite cascade. Ah, il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. Hein. Qu'on pourra bien pas bien aller plus loin. On va changer de coin parce qu'il y a des pêcheurs. Ouais, on va rester en face, c'est pas grave. On va prendre en photo là. Je vais me filmer les arbres du Judée là-bas au fond. Les petits coins de l'Ain tranquille. De canard. La rivière d'Ain, sauvage comme on l'aime. Une petite vue sur la belle montagne. On a vraiment une jolie région. Voilà, on est parti à 11h15. Il y a maintenant 1h, bientôt 20 qu'on rame. Et on va bientôt toucher au but, je pense, d'ici 20 minutes. De temps en temps, il y a des rafales de vent. En fait, c'est la chaleur qui s'élève sous la montagne et qui fait que ça aspire l'air du bas. Et par moment, une bonne rafale. Oh non, non, mais là, c'est sublime, le coin. Le chant des oiseaux. Il y en a deux qui sont nus, pourquoi ils s'envolent? On va aller vous prendre des fleurs roses qui sont magnifiques. Les avirons. Des dames. Attends, parce que j'ai arrêté de ramer pour faire la prise de vue. Alors, de l'aubépine au terme de notre remontée de l'Ain. On va arriver dans 300 mètres, même pas.
Ah, c'est beau. Ouais, j'ai pris. Il y a ces couleurs de ciel. Et ben voilà. Je vais poser pour un petit pique-nique. Et bien voilà, nous arrivons au terme de notre balade du jour. Dans la prochaine vidéo, nous ferons de belles prises sous-marines. D'habitude, on arrive jusque là, mais là, je crois qu'aujourd'hui, ce ne sera pas possible. Alors, on vous dit à très vite. En attendant, portez-vous bien. J'adore ces couleurs de la nature.